Hello, c'est Dog et c'est parti pour un nouvel épisode de The Witcher. Ah, j'étais en train de réfléchir avec son histoire de gonzesse là, le roi qui s'est tapé une gonzesse et il s'est tapé une comtesse, c'est ça? Non, je suis en train de dire que de la merde. Et bon, ça a fait des bâtards puisque c'est pas des enfants légitimes. Les enfants légitimes, c'est la fille de sa sœur, hein, c'est spécial. Il aurait pu se contenter de sa sœur, quoique bon, elle était morte depuis pas mal de temps. Enfin bref, alors, nous sommes séparés du temple au début de l'assaut. Bah oui, au Au début de l'assaut. début, tout allait bien, C'était Jean. jusqu'à ce qu'on tombe sur Arienne de la Valette. Ah oui, Arienne de la Valette. C'est le fils de la gonzesse avec qui le roi a eu des enfants. C'est pas le fils du roi, c'est le fils d'un autre père. Je crois que c'est hors mariage, une connerie de ce genre. C'est quoi cette pause? Allez, on est partout. Ah, ça va être assez chaud. Ok, d'accord, c'est le bouton X pour. Mort au baiser de sœur! Au baiser de quoi? Écrasez cette vermine! Ah, oh, ça fait du bien, regarde-moi ça. Mourir pour Temeria est une mort honorable! Pour Temeria! Attends, je suis un peu. Fou, ça purin! Ça fait du bien, mais c'est pas pour autant plus facile. Hein. Lord Sexen, vous allez forcer la porte pour accéder à l'île centrale. C'est une bonne journée pour un massacre, votre majesté. Messieurs, suivez-moi. Pour Temeria. Lord Swan, vos hommes resteront avec moi. Nous devons attraper Arienne de la Valette et briser le moral des défenseurs. À vos ordres. Geralt, messieurs, suivez-moi. Pour la gloire! On peut mourir très rapidement dans le jeu, faut faire attention. Reculez, bordel de merde! Je vous interdis de crever comme des corneaux, vous m'entendez? Ils sont en bonne position, les salopards! Si ça continue ainsi, ils vont nous tirer comme des pigeons. Vous avez une idée? La baliste devrait régler le problème. Ok, va falloir descendre, utiliser la baliste pour exploser ces types là-haut. Attends. Je vais encore me. Oh putain, et j'ai du mal à diriger le personnage. Je vais me faire défoncer là, je crois. Non, non, c'est bon, je peux sauter. Ah ok, d'accord. On peut pas approcher parce que sinon je vais me faire massacrer. Putain, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que ça saccade, hein. Je sais pas, c'est pas fluide du tout, quoi. J'en demande peut-être trop, mais... Voilà, qu'est-ce qui vient de se passer? Ah putain, les ennemis. Ah putain, ils... Tuez le sorceleur! Hop là. Bon, eux ça va, ça passe. Vu qu'ils sont en mode. Je sais pas s'il faut que j'utilise un signe pour me régénérer. Attends. On va récupérer quand même quelques petits trucs sympas. Enfin, est-ce que je peux. Ah ouais, d'accord, faut que je me rapproche dessus. Oh non, de Dieu, regarde. J'ai vraiment du mal, c'est vraiment. Ça saccade vraiment trop, quoi. C'est désagréable. Oh putain! Oh merde! Ah! Merde! Ah, je suis en train de me faire défoncer là. Je vais crever. Comment je fais pour. Ah, le signe d'art là. Comment je fais pour l'utiliser déjà? D'accord, c'est ça. C'est le bouton B.
Allez, c'est bon. Merde. Faut que je me débarrasse de ce mec. Tuez le sorceleur. Tiens, c'est bizarre, il se régénère automatiquement. Heureusement que je l'ai tué assez rapidement. Hein. C'est normal, c'est le début. Mais je suis mort à... Oh, il a perdu un bras. Enfin, un avant-bras. Je suis mort à plusieurs reprises dans... Au début de ce jeu, je suis mort à plusieurs reprises. Donc c'est assez chaud. C'est assez... Bon, je crois que je peux me les faire, c'est bon. Ah, c'est le pied quand même. C'est le pied pour appuyer sur un bouton, plus besoin de viser ou d'attendre que l'attaque se charge ou je ne sais quoi. Non, non. Ça fait plaisir. Par contre, c'est vrai que c'est insupportable comment ça saccade. C'est vraiment désagréable. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, par contre, là, je vais sauvegarder. Parce que là, je vais arriver avec des soldats en armure et en... Et avec des... comment on appelle ça? Des boucliers, donc ça va être plus compliqué, ça va vraiment être chaud à ce moment-là. Donc je vais sauvegarder. Sinon je vais devoir tout recommencer. Voilà, partie sauvegarder. C'est... Encore une fois, les sauvegardes dans le jeu sont excellentes même. En même temps, on peut sauvegarder tellement que c'est le fouillis total, quoi. Mais au moins, on peut sauvegarder tout le temps, ça c'est bien. Ça, pour le coup, ça c'est plutôt agréable. Alors, bah oui, ça m'explique que je peux faire... que je peux envoyer le signe d'art. Quoi, astuce, c'est la seule façon d'utiliser le signe en combat. Hein? Éliminez les hommes qui gardent la baliste et préparez-vous à tirer. Ouais. Allez, voilà, on a les hommes en armure. Ah putain, c'est... Ah, fait chier les mecs avec leurs flèches, ils cassent les burnes. Ah merde, je me suis trompé de bouton. Je me serais cru encore dans The Witcher 1. Ah, c'est dingue ça, faut vraiment que je m'y réhabitue. Allez. Ah merde, je me suis encore trompé de bouton. Ah, le mec il préfère retourner en arrière plutôt que... Plutôt qu'essayer de me buter, quoi. Ah, truc de ouf. Allez. Oh putain, c'est... Regarde-moi ça comme il me massacre. Ah, fait chier. Avec ces putains de flèches, l'autre enfoiré va me tuer là. Il est où? Ah, ça va, il se rapproche. Ah non, il revient. Il retourne en arrière, ce con. Bon, mon énergie elle remonte. Ouais, au bout d'un moment, elle se met à remonter toute seule. Moi, j'ai pas le choix. Hein. Je suis obligé de jouer en mode prudence parce que sinon je vais tout recommencer. Combien de fois j'ai fait le début de ce jeu et combien de fois je me suis fait buter comme une merde. Voilà, mon énergie remonte toute seule. Je sais pas, c'est spécial. Je sais pas, il n'y a pas de potion ou de conneries comme ça. Je sais pas comment ça marche. Ouais. Elle remonte toute seule, c'est tout. Non. Voilà, qu'est-ce que tu fous? Ah ouais. D'accord, ok. Il sort ses armes, c'est de cette manière-là. Faut vraiment que je me débarrasse de ces enfoirés. C'est le bouton X, hein. Allez. Ah, il est où, ce con? Blasphème! Ah, faut que je me mette derrière lui pour le toucher. Merde. Tuez le sorceleur! Je peux au moins me le faire, celui-là. Peut-être celui-là aussi. Ah, putain, regarde-moi ça. Faut vraiment que je me barre. Il y a peut-être un moyen de... Attends, éliminer... Mais oui, mais ça, je m'en fous de ça, c'est pas ça le problème. Oh là là... Comment faire pour que le jeu soit plus fluide? Je me dis pas qu'il faut que j'enlève la qualité des graphismes, parce que là, je le ferai pas. Là. Ah non. T'es fou, je peux pas revenir en arrière, quoi. Quand tu goûtes à un bon truc, tu peux pas te remettre à goûter à de la merde, quoi. Même si après t'as mal au bide. Enfin, quoi que. Allez. Allez, c'est parti, avant que. Bon,
Voilà, terminé. Voilà, on va sauvegarder maintenant qu'on les a tous butés. Je ne peux pas sauvegarder. D'accord. Comment ça se fait? Ah bah voilà, là je peux. Ah, ça se fait tellement rapidement, c'est cool. On va jeter des petits coups d'œil, voilà. Regarde-moi ça. Ils n'apprendront donc jamais. Clin d'œil à... à Assassin's Creed. Ça prouve qu'on a affaire à des mecs qui jouent aux jeux vidéo. Hein. Bon, ça veut rien dire, mais bon. En général, les développeurs, ça joue aux jeux vidéo. Pas comme les acteurs de doublage, qui eux ne jouent pas aux jeux vidéo. C'est normal. Enfin, il y en a qui jouent, mais franchement, c'est des acteurs de doublage. C'est pas leur rôle, c'est de doubler, quoi. Donc, ce sont des acteurs, donc ils sont pas spécialement passionnés par le jeu vidéo, juste parce qu'ils doublent un jeu vidéo, quoi. Alors qu'en général, les développeurs, vaut mieux que tu sois passionné par le jeu vidéo, sinon il y a un problème. Bon, ça peut arriver que t'en aies rien à foutre, mais bon, c'est un peu bizarre. Allez, on y va. Petit QTE. Voilà. On va avoir encore des ennemis qui vont venir nous faire chier. Alors, il y a des ennemis en armure là. Bon, lui, on va le fumer vite fait, bien fait. Voilà. Alors. Ah ouais, ça casse les couilles, les mecs en armure. On pisse sur les fleurs de lys. Mais tu as tout à fait raison. Oh putain. Il m'a pas trop fait mal. Ah, faut que je tourne autour de lui. Ah, fais chier. Ils m'emmerdent, les mecs. On pisse sur les fleurs de lys. Bon, ouais. Ok. C'est pas vrai, ça. Pas le toucher, ce con. Bon, c'est vraiment galère, les mecs qui ont des boucliers, c'est super galère, quoi. Alors je peux faire des attaques, genre des attaques comme dans le 1, quoi. En gros, ils sont comment on appelle ça, ils sont étourdis et hop là je leur fais une attaque de fou furieux, qui je leur fais un one shot, quoi. Je les détruis direct. Allez, on continue à faire ces QTE à la con sur Attends, on va prendre juste un petit. Hein. C'est quoi, c'est des orins? Ouais, trop rare. Et voilà. Voilà, et maintenant, on se retape encore des ennemis. Ah, j'aurais peut-être dû encore une fois sauvegarder. Et merde. Ah, maintenant, on a la grosse armure qui se pointe, là. Ah, putain. Oh mon dieu, oh seigneur. Tuez le sorceleur. Terminé, je me débarrasse d'eux. Oh nom de dieu. Maintenant que je suis débarrassé d'eux, je m'éloigne le plus possible. Ensuite, un coup de dard et... Tuez le sorceleur. Et bouge de là. Putain. Waouh. On est qu'au début, je suis en train de galérer. C'est un truc de malade. C'est bon. Tuez le sorceleur. Déplace-toi, quoi, c'est bon. Ah bah voilà, c'est pas trop tôt. Terminé. Je crois que c'était le dernier. Ouais, faut faire vraiment attention parce que l'énergie. Voilà quoi. L'énergie disparaît très vite. Et pourtant, on est en mode normal. Hein, et j'ai l'impression d'être en mode difficile. Alors, t'imagines le mode difficile. En plus, ça saccade. C'est pas fluide du tout. Ou alors, c'est trop rapide. Je sais pas, il y a un problème. Clairement, il y a un truc qui va pas. Alors, on est à 14 minutes. Je sauvegarde. Je préfère. Ça me fait sauvegarder toutes les deux secondes, mais tant pis. Et on y va. Attends, je me rapproche un peu. Attends. Voilà.
Oh, le ralenti. Un truc de fou, le ralenti. À la tour, soldats! Prenez-la! Les dieux sont avec nous! Non, on s'en fout. Allez. On remonte. Enfin, je crois. Attends. Si, c'est ça. On va monter par ici, on verra bien. Ah, d'accord, ok. Faut que je passe. Bah non. Si, faut que je passe par là. C'est bien ça. Ok. Ah, par contre, on va avoir un tas d'ennemis. On pisse sur les fleurs de lys. Ouais, oui, je sais, tu l'as déjà dit. Tiens, prends-toi ça. Alors, tous les mecs en jaune et en. C'est par ici? Attends, il y a quelque chose en haut là. Le roi il s'est pointé par ici, mais. Je vais aller voir ce qu'il y a en haut. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qui m'a tiré dessus là? Laissez-moi avancer, bande de cons! Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi ils sont complètement bloqués ces crétins? Ah, fais chier, c'est pas vrai ça. Est-ce qu'on peut passer? Non, on peut passer par de l'autre côté. Bon, tant pis, on va aller par là. La voie est libre, suivez-moi! Pour qui arrivera le premier en haut de la tour, le vin coulera à flot! J'ai l'impression d'être aimanté par les ennemis. Hein. Je suis aimanté par les ennemis. La porte! J'attaque directement. La porte. Je veux voir cette porte voler en éclats! Ah ouais, par contre il y a une espèce de gros mastodonte là. Il est assez puissant. C'est bien, Foltes participe à la guerre. Qu'est-ce qu'il va faire avec son petit couteau d'homosexuel là? On pisse sur les fleurs de lys. Oh putain de merde. Malade, c'est du n'importe nawak. Oh cool, j'arrive ici. Oh mais c'est hein pour verrouiller la cible LB. Ah bon, faut que j'essaie de me concentrer sur lui, mais il y a des petits enculés. Tuez le sorceleur. Voilà. Faut ça purin. C'est qui les ennemis? C'est qui les gentils là? Enfin les gentils, n'importe quoi. C'est qui les ennemis? C'est qui les alliés? Voilà, je préfère dire ça. C'était des conneries ce que j'étais en train de sortir là. Parce que là je vois plus qui est qui là. Ils ont tous des armures à la con. Oh putain, regarde-moi ça, j'ai du mal à diriger le perso, c'est un truc de fou. J'ai du mal à déplacer le perso, c'est un truc de malade quoi. Regarde comment c'est jaune. C'est super jaune. Enfin, c'est pas c'est pas très très jaune, mais sur ma télé, c'est extrêmement jaune quoi. Rendez-vous ou vous crèverez comme de sales chiens. Arienne de la Valette. Il va nous donner du fil à retordre. Capitulez, Arienne, et on vous épargnera. Allez vous faire mettre, roi. Arrosez-les de flèches, du nerf, soldats, pour Téméria.
Ils ont de bons boucliers. Vous avez une meilleure idée, peut-être? Je vais tenter de m'introduire là-bas. Ça devrait être simple si les archers me couvrent correctement. Lui, c'est le fils de Louisa et du vieux baron. Héritier de ses terres, il est impétueux mais manie bien l'épée. Faites attention. Je vais essayer de le raisonner. Voilà, comme j'ai dit... Ah, niveau supérieur, cool. Comme j'ai dit, le... Ah merde, bon, je vais avancer là parce que sinon les mecs vont me... Attends, faut que j'avance. Voilà, ah ouais, d'accord. Allez. Voilà, terminé. Oh putain! Putain, un moment de... J'arrive plus à déplacer mon personnage, c'est violent quoi. Mort à Foltest! Je me déchaîne sur le bouton X quoi, c'est un truc de malade. On va attendre qu'il se régénère un petit peu là. On va pas se précipiter comme un fou furieux. Surtout que en étant pas trop foufou, je trouve encore le moyen de me faire buter comme une merde. Ça va vraiment être compliqué ce jeu. Le 1 il était chaud, mais alors celui-là. Je sais pas comment je vais faire. Faut mettre un professionnel même en mode normal quoi. Oh, bah tiens. Attends. Hein? Ah non, c'est... Ouais. Ouais, comme je disais, alors le mec qu'on va affronter là, est-ce que personne ne me dérange? C'est le fils de... le fils de la gonzesse qui... De Ariane... Non, mais non, Ariane c'est l'autre. Enfin, c'est le fils de la gonzesse qui a fait des enfants avec le roi. Voilà. Sauf que c'est... Alors, et... alors, si on le tue, ce type-là, on se retrouve en prison avec la... Avec sa mère. Hein, tu vois ce que je veux dire? Sa mère, les nichons à Welpé, hein. Mais ça, c'est pas ça le truc. En fait, ce qui se passe, c'est que... quoi qu'il se passe, c'est que si on le laisse en vie, on le retrouve en prison. On est d'accord? Alors, il se retrouve en prison avec nous. Mais le truc, c'est que, voilà, on le torture pour qu'il signe des papiers comme quoi les enfants du roi sont en fait ses enfants à lui et ceux de sa mère. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait, il avait fait des enfants avec sa propre mère. Donc, ses enfants seraient aussi ses neveux. Non, attends. Attends. Bref, on s'en fout. Mais voilà, ils veulent lui faire signer un traité, un truc comme quoi ce seraient ses propres enfants. Ce ne sera pas les enfants de Foltest, mais ce seraient les enfants de lui et de sa propre mère. Voilà. C'est marrant. Alors, on y va. On continue. J'ai mis le truc à 30 FPS, il est à 60 FPS, il est à 30 FPS là. Je crois qu'il n'y a pas de 60 FPS, il y a pas de 60 FPS avec The Witcher. Mais je sais pas. Je pense qu'il y en a pas. Hein. C'était des conneries ça. Je fais n'importe quoi moi. Bon, c'est pas grave. Alors. Ouais. Bah, je vais le tuer hein. Bien entendu. Je vais le tuer, quitte à voir quelqu'un en prison autant que le ce soit sa mère. Le grand Geralt de Rive. Vous êtes tombé bien bas, sorceleur. Le bruit court que vous êtes l'un des meilleurs épéistes du Nord. Voyons voir si la rumeur dit vrai. Bon, lui, par contre, il est un peu... Rendez-vous et épargnez vos hommes. Comme il vous plaît, hein. Puisque vous insistez... Non, il a pas insisté, mais c'est pas grave. C'est juste que... Attendez, il est à moi. Wow, putain de bordel. Ah ouais, attendez, il est à moi, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ils sont tous sur moi, tes potes. Attends, laisse-moi... Est-ce qu'il y a des mecs avec des flèches? Ouais, il y a des mecs avec des flèches. Bon, je suis en train de crever. C'est un truc de ma... J'en en ai qu'au début du jeu, je suis mort au moins 3 fois. Ou 2 fois. Je sais plus combien de fois je suis mort, mais je suis mort une tonne de fois, quoi. C'est un truc de malade. On en est qu'au début du jeu, quoi. Et je passe mon temps à crever. Le grand Geralt de Rive. Vous êtes tombé bien bas, sorceleur. Le bruit court que vous êtes l'un des meilleurs épéistes du Nord. Voyons voir si la rumeur dit vrai. Comme il vous plaira. Attends. Est-ce que je peux... Attendez,
Il est à moi. Attends. Ah putain. Il y a bien moyen de... Ne flanchez pas. De pas crever trop vite là parce que... Ah, fait chier, merde. Je suis en train de me faire tabasser comme une merde. Attends, je vais essayer de fuir. Non, je peux pas. Je meurs. Ah, attends. Ah bah voilà. Alors qu'est-ce qui... Putain, mais ça n'arrête pas le temps. Fait chier, putain. Ah, je suis encore mort. Il y a bien un sort qui me permet de me protéger. Un bouclier, je sais pas, quelque chose là. Parce que je suis en train de me faire massacrer. Je me fais défoncer trop vite là, c'est pas normal. Le grand Gérald de... Le... Mais... Puis... Alors, voyons un peu ça. C'est quoi, Dar, non? Iden, Kun, c'est quoi? Ça sert à quoi? Bon, Ini, je sais quoi ce que c'est. Axie, peut-être. Attendez, il est à moi. Ah, ah mais bouge de là, espèce de crétin. Alors. Queen, peut-être. Ah bah voilà, c'est ça, c'est le genre de truc qui me protège, non? Ça me protège de rien du tout, hein. Bougez plus! Non, je suis en train de crever, je suis mort. C'est du n'importe quoi. Le grand... Oui, c'est bon, on a compris. Puisque vous... Attends. Dar, non. Iden, peut-être. C'est quoi ça? Non, ça, c'est Ini. Queen. Ouais. Attendez! Il est à moi! Oh, putain! Je suis mort. Mais je pourrais jamais le tuer. C'est pas possible. Non, j'avais déjà réussi à le tuer. Pourquoi j'y arrive pas alors? Ah oui, parce que je joue en normal, c'est pour ça. Je joue en mode normal, c'est vrai. Je joue en mode normal. J'avais oublié. Le grand... Le bruit... Puisque vous incitez... Attendez, il est à moi. Hey, mais j'arriverai jamais à le tuer, ça prend 10 ans. Je vais me débarrasser de ces enculés. Bougez plus! Allez, allez, bouge de là. Putain, c'est pas vrai. Faut que je me débarrasse des mecs qui me lancent des flèches. Oh là là, et c'est horrible, depuis tout à l'heure je suis en train de crever là. Le grand... Puisque... Ouais. Attendez, il est à moi. De ces mecs. Ah putain. Ah putain, non. Ah, fais chier, c'est pas vrai ça. Je ne peux pas y échapper. Bon bah je crois que je vais arrêter la vidéo là. Hein. J'ai enchaîné les morts comme un crétin. Ouais, on en est à 29 minutes. Ouais, j'arrête la vidéo là. Je vais être obligé de faire ça hors vidéo. On verra bien. Si je réussis à les tuer, mais là, ah là c'est chaud. Bon allez, à plus.